he's always on time for class. He gets extra workouts in the weight room on the court, so he's very dependable. He's a pro is what he is. And from that standpoint, it really goes a long way because nobody can question his work ethic when he's on the floor or off the floor. Alors là, on est dans notre nouvelle salle d'entraînement qu'ils ont construit pour nous cette saison. Elle est juste à côté de notre ancienne salle qu'ils ont du coup maintenant réservée pour les filles. Du coup, on n'a plus le problème de quand est-ce qu'on vient s'entraîner ou pas. On vient quand on veut, la salle elle est à nous. À côté, ils ont construit les bureaux des coachs, filles et garçons. Après, en bas, il y a la nutrition et la nouvelle salle de muscu. Rejected by Saul! Wake Forest, with 0.2 seconds left, will shoot free throws after the gigantic block from Olivier Saar. Les athlètes habitent, mais pas que les athlètes, on est mélangé avec tous les étudiants. On est une petite fac, du coup on est tous mélangés. Cette année, tous les ans, on change de dortoir. Donc quand tu es troisième et dernière année, tu vas plus vers les appartements. Et quand tu es première, deuxième année, tu es plus sur le campus. On est quatre dans l'appartement. On a une pièce commune, un salon. On a toute notre chambre individuelle. Et on a une salle de bain. On a tous une salle de bain dans la chambre. Donc voilà, c'est beaucoup plus confort, plus de place. Et on a chacun notre petite privacy. Quand j'ai du temps mort sur le campus, soit je vais à la salle faire des soins, soit je vais à la salle faire du tir, m'entraîner avec un coach. Pendant la saison, une demi-heure de workout vite fait, un peu de muscu. Je me repose ou sinon je suis dans ma chambre. Ici, sieste, je lis un livre, je suis à la télé, à la base quoi, tu fous de la musique, je chill un peu. Mais voilà, après ma chambre, j'y passe pas la plupart de mon temps, parce que je suis sur le campus, il y a tout quoi. On a les vestiaires pour se poser aussi, et ça me permet de, si j'ai un peu de temps, je peux faire vidéo avec les coachs individuels. Mais après quand je rentre ici, c'est vraiment, je me repose, je parle à ma famille. Pour moi c'est vraiment important d'avoir ma petite chambre, tu vois, que ça me rappelle d'où je viens, il y a le drapeau de la France, le drapeau du Sénégal, photo avec ma famille. Voilà, après vraiment ici, voilà. Après je fais mes devoirs ici dans ma chambre, j'aime bien faire mes devoirs dans ma chambre. J'aime pas trop aller à la bibliothèque et tout ça parce qu'il y a beaucoup de monde et trop de distractions je trouve. Donc voilà, je suis bien dans ma chambre, c'est vraiment mon cocon, je suis posé, je peux être moi-même, je me relâche et je me prépare pour le lendemain quoi. Célébrer leur titre ici ici et voilà très chouette Berry. Oh ouais. Et voilà, Team Duncan il est passé, un gars réservé comme on peut l'imaginer, comme on voit la télé, et c'était cool de le voir avant le match. On n'a pas eu trop le temps de parler mais on l'a vu dans les vestiaires, il nous a parlé à la fin du match vite fait, mais voilà, c'est un honneur de voir un gars comme ça, genre
qui nous inspire et puis ça fait toujours plaisir. Ouais, dans notre ancienne salle d'entraînement qui est maintenant la salle des filles. Donc voilà, donc notre ancienne salle d'entraînement, elle est beaucoup plus grande que l'autre. Mais je préfère l'autre. Un peu moins lumineux. Et voilà, c'est cool. Et voilà, ils ont fait ça bien. Ben, cette année, je suis capitaine, comparé à l'année dernière. Donc, c'est vraiment un rôle de leader maintenant. C'est, comparé à l'année dernière, c'est vraiment accompagner les gars, les premières années, plus leader par la voix, tu vois. Vraiment aider tous mes coéquipiers et être la voix du coach aussi sur le terrain et pouvoir faire un peu des deux, quoi, les relier. C'est des responsabilités totalement différentes. Il y a beaucoup plus d'attentes en termes de coach, de coaching. Les coachs, ils en attendent plus, comment dire, si l'entraînement se passe mal ou quoi que ce soit, c'est vraiment, on a un rôle beaucoup plus important en fait. Début de saison, j'ai pas commencé comme je l'aurais souhaité. Mentalement, tu te poses des questions. Tu te dis, mais est-ce que je me suis bien préparé? En tant que compétiteur et athlète, on se pose toujours plein de questions. Après, c'est au bout du deuxième match, le coach m'a sorti de la rotation. Il m'a sorti du 5 majeur. C'est pas vraiment, c'est une punition, mais c'est surtout pour, on a discuté tout ça, c'était pour essayer quelque chose de nouveau, pour rectifier le tir. Et le match d'après, je mets 21 points, 9 sur 9. Et après, il m'a laissé sur le banc pendant un bon bout de temps, mais... Après, le plus important, c'est d'être sur le terrain. Franchement, il y a deux positions. C'est soit tu es sur le banc, soit tu es sur le terrain. Et après, que tu joues 30 minutes ou pas, que tu commences ou pas, quand tu joues 30 minutes, il n'y a pas trop... Le problème n'est pas là, quoi. C'est vraiment quand tu es sur le terrain, il faut produire. Et c'est ce que j'ai réussi à me dire au fur et à mesure des matchs pour pouvoir progresser malgré ce début de saison un peu raté, quoi. C'est vrai qu'en novembre, on a eu un tournoi en Californie. Ça s'est vraiment bien passé, performant. L'équipe a bien joué, on a perdu en finale contre une bonne équipe d'Arizona. Mais je tournais à 17 points, 11 rebonds sur le tournoi. Ce qui m'a donné aussi la récompense de joueur de la semaine. Et là, cette semaine à nouveau, une grosse semaine, on bat Duke à la maison. Ensuite, on rejoue hier contre Notre-Dame, nouvelle victoire. Pour moi, individuellement, c'était... je savais que ces matchs-là, ils allaient venir. C'était vraiment, toujours croire en moi et juste me contrôler ce que je peux contrôler, quoi. Vraiment être à fond sur le terrain dans tout ce que je fais. Et puis voilà, après, quand j'ai la balle, c'est juste faire confiance à mon travail. Et puis voilà, jouer au basket, vraiment. Donc voilà notre nouvelle salle de muscu, toute neuve. On vient de la voir en début d'année. Elle est que pour le basket, filles et garçons. Ce qui est bien, c'est qu'elle est sur le campus. Celle d'avant, elle était dans notre salle de match. Donc on peut venir après les cours ou quand on veut, le plus simple pour nous. On voit juste avec le coach, le préparateur physique, et puis il s'occupe de nous. Il y a deux autres salles de muscu, la salle principale pour tous les autres sports, hockey sur gazon, foot, etc., etc. Et après, il y a la grande salle pour le football américain, qui est vraiment immense parce qu'il y a une centaine de joueurs. On a une salle de cryo et une salle de repos avec des chaises massantes. Molten. On a suivi de France à ici. Donc, ce qui est bien ici, c'est qu'on a la salle de muscu, mais on a aussi un panier, un petit terrain. Ça fait que ça détend l'atmosphère, tu vois. À la fin de la muscu, à la fin de la séance ou au début de séance, on fait un petit hors pour rigoler ou... Quand on passe de la nutrition, on passe ici, il y a des coachs, parfois on fait un hors ou des trucs comme ça pour... On s'amuse quoi et ça fait plaisir, ça fait du bien de revoir le terrain, même quand t'es en salle de muscu ou parfois t'es vraiment sérieux et c'est beaucoup de travail dur. Donc c'est cool. Donc là ici, ça c'est la salle pour tous les autres sports. En face là, celle qu'on voit, pour les sports olympiques, foot, hockey sur gazon, tennis et tout ça. Et la salle à droite, c'est la grande salle de football américain. Salle et tout ça c'est neuf en fait. Et vraiment ça a été fait cette année pour le développement du sport à Wake Forest. Tout l'été on a travaillé avec des trucs comme ça, avec un peu de trucs de football américain.
Mais genre, on était là, hein. Tu viens pousser comme ça, travailler comme, bah, comme au poste, quoi. Donc, on fait beaucoup d'exercices qui sont, comment dire, reliés à ce qu'on fait sur le terrain aussi, et plus concret pour nous, et qui a plus de sens aussi pour les gars, pour les joueurs de mon poste. Et voilà, quoi. Mais vraiment, l'été, la off-saison, ça se passe ici. Après, de toute façon, c'est pas compliqué, hein. Pour être le meilleur ici, faut battre les meilleurs. Et si tu fais ça à chaque match, ça te donne une chance de te montrer, de mettre ton nom à côté des leurs. Et puis après, voilà, hein, faut laisser du temps au temps, faut continuer. Chaque match, faut pas lâcher, mais après on verra bien. Est-ce que c'est cette année, l'année prochaine? Pour l'instant, je ne sais pas vraiment, je sais vraiment pas. Après, en termes de doute, j'en ai aucun. J'ai zéro doute sur mes capacités. Sur l'avenir. Personne ne peut prédire l'avenir, donc tout ce qu'on peut faire, c'est travailler au présent et contrôler ce qu'on peut contrôler, se donner à fond, pas avoir de regrets, et puis après on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, moi je suis confiant en mes capacités, je suis confiant au travail que je mets derrière. Puis voilà, après le travail paye, comme on dit toujours, et puis on verra bien où est-ce que ça me mène. Mais voilà, pour moi c'est toujours le travail. Vraiment, c'est redondant, mais il n'y a pas de secret. Personne n'a trouvé mieux que ça, donc et que le travail. Well, the biggest difference is he's gotten stronger and he's still gaining confidence. When he first got here, the physicality of the game, the demanding play of the physical guys down low, it's a different style of play for him. We want to get out and run in America, whereas it's more team oriented in France or in Europe in general. And I think he's made the adjustment over time, but his biggest adjustment was just getting stronger in the weight room and just playing with a level of confidence. Pick and pop, he can do that well. He can really shoot the ball, but he has to continue to play with a level of confidence and trust his abilities. Zone de nutrition, en fait, où tous les athlètes ont accès. Et à n'importe quelle heure de la journée, tu viens, tu prends tes snacks. On a des vitamines à prendre. On a toutes sortes de boissons de récupération, tout ça. Et à n'importe. Donc vraiment, c'est à notre accès. Pour la récupération et etc. et notre bien-être, quoi. Donc là, moi, je vais prendre de l'eau pour l'hydratation. Et après, là-bas, j'ai une vitamine que je prends tous les jours. Là, c'est classé par joueur, t'as ton nom dessus? Mm-hmm. Ouais. Après, moi, ils m'ont mis sur une liste pour continuer à prendre du poids. Mais. Toujours mesuré, contrôlé. Donc tous les jours, je viens de checker un papier qui montre que je suis venu prendre le smoothie qu'ils m'ont fait. Après, ça c'est de la gélatine en fait, avec du collagène dedans, qui aide à la reconstruction de nos tendons. Et c'est pareil, un suivi qu'on fait, et on prend ça tous les jours. Let's go! Et les jours de match, avec la quantité de vidéos et d'entraînements qu'il y a, comment tu gères par rapport au cours? Alors, les jours de match, il y a à domicile et à l'extérieur. À domicile, on va en cours le matin. C'est une journée normale en fait pour nous, vu que tous nos cours sont le matin. On part jusqu'à midi, 13h. On va en cours. Ensuite, on vient ici, on fait un petit entraînement avant le match. Ensuite, on mange, on fait vidéo, tout ça. Et on rentre dans nos chambres. Ce que tu veux, je fais une sieste avant le match, puis après on va en match. Donc là, en termes de cours, on manque rien, mais quand on joue à l'extérieur, ben vu qu'on part la veille au soir, la plupart du temps on rate le cours du lendemain, le jour de match. Mais vu qu'on est une petite fac avec pas beaucoup d'élèves par classe, les profs nous envoient soit par email, soit par le biais de nos collègues de classe, nos camarades de classe, nous envoient les notes de la journée ou un bilan, un résumé de ce qui s'est passé en classe et tout ça pour qu'on rattrape, quoi. Le lundi, j'ai pas cours, mais en fait, en tant qu'athlète dans la NCAA, on doit avoir minimum 12 heures de cours par semaine pour pouvoir jouer, c'est les règles en fait. Donc du coup, chacun a des emplois du temps différents selon sa spécialité, les cours qu'il prend et tout ça, ce qu'il étudie.
Donc moi, il s'avère que lundi, j'ai pas cours. Par contre, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, j'ai deux cours qui durent une heure et demie à chaque fois, ou un truc du genre, à peu près. Mais voilà, ce qui est bien ici, c'est que tu peux te faire ton emploi du temps tout seul. Et tu peux, si tu veux dormir plus ou si tu veux le faire un peu plus tard, comme ça, tu peux venir à la salle avant d'aller en cours. C'est toujours bien, ou faire des soins ou faire vidéo, quoi. You like that flavor? What flavor is it? I don't even know. I just take it. They don't say it, but it's not always good. It's just good for my body. There's probably some spinach, kale. Yeah, they always probably do. Probably some banana. Yeah. Protein. They put protein that's in it. That's a secret recipe, just like in Space Jam? Yeah. Yeah, I can't tell. I can't share it. But yeah, no, it's like, nutrition, they put me on that gainer list. So every day I got to go check the list that shown that I'm taking my gainer. Okay. Nice. Yeah. Is it working? Yeah, it is. You gained a lot of weight. Yeah. Olivier, he's really grown a lot from his freshman year coming into the program. He was kind of like skinny as a freshman, then he kind of like adapted over time. And I think after the freshman season, he worked hard like during the springtime, trying to get better with his body and everything, like fix his body. Like, he also like brought me into the gym to like, I gotta like push him too. So we both like walked really hard. And his sophomore year, that kind of like shows. He wasn't like able to like finish his season because of an ankle injury, but like coming into his junior year, like you know what is at stake, and me being out for the year, like he stepped up big time to help the program, and right now he's doing pretty well for himself and also probably for like the program. So as Olivier, like from a freshman year to his junior year, for me he's playing like a pro right now, and I'm like really proud of him. So, yeah, he's a great captain. He always brings everyone together. He always makes sure he tells someone what they have to do, whether it's positive or negative. He has to let them know regardless. And I feel like he's just a great teammate all the time. He's always high-fiving, dapping, letting you know when you're doing good. And he's just great to play with. I'll definitely say Big O helps me a lot on the court and also off the court. Like you said, it's North America still, but just the foreign mindset is a little bit different. And we relate in a lot of ways because he played on his national team and I played on my national team. So we talk about that a lot and just like differences in the game. Coming to America and playing at the Division I level, just little things that are different, things that you can do from our experience and things that you can't do. And that's just someone I talk to a lot. He helps me out a lot on the court, and me and him have a pretty good relationship. Mais en parlant des gars, le Sud-Ouest, on est là. Hein. surtout Joël et Josh, on a tous les trois commencé au Bousca. Moi j'ai commencé au Bousca, on s'est tous retrouvés là, on avait 7 ans, 8 ans. Et voir que maintenant, on fait les équipes de France, qu'on est en université maintenant ensemble, en division 1, ça fait plaisir. Après, c'est surtout un grand shout-out à Vincent Bassi. C'est notre tonton à nous tous et il a joué une grande partie dans notre évolution. Et toujours, il était là la semaine dernière et c'est un grand plaisir de le voir. Mais non, ça représente beaucoup pour nous. Moi, Joël, je lui parle. On parle souvent là, on se parle tous les jours quasiment cette période-là, c'est par période, tu vois. On se parlait, on reste en contact. Josh, c'est pareil, il taf aussi de son côté. Joël, il taf de son côté aussi. Puis après, il y a Kylian à Gonzaga. Non, je pense que les Français et Yves à Tennessee, qui va sûrement être défenseur de l'année en SEC. Non, les Français, je pense que cette année, on a vraiment aussi notre niveau, on a progressé, on a pris nos marques. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes en France. Si je devais avoir un message à leur dire, c'est continuer à bosser vraiment. Et puis, surtout, n'ayez pas peur de prendre des risques. Nous, on a pris un risque en venant ici. Et j'espère que ce risque il portera ses fruits un jour, que ça va payer. Mais vraiment, si vous voulez faire quelque chose, faites-le à fond, quoi. Doutez pas. Si c'est vraiment votre choix, allez-y à fond. Never go wrong.
Même chose Maca. Genre j'ai une, on a tous genre on a une certaine somme d'argent par trimestre. C'est papa qui prend. Ouais. Tous les trimestres, genre ils renouvellent genre. En gros. Oui. You're not for me either. Non mais. Vas-y. Tous les jours ça. Non, tous les jours. Oh my tous les jours. God. C'est fait hein. That's so crazy. C'est la notoriété quoi. Non, c'est comme ça. Quoi. Ouais, dans la fac vous êtes quand même. Yeah. Ouais. Fac, après les gens ils sont autour de nous, ils sont cool tu vois. Ouais. Tous les jours. Ouais, tu construis des relations avec les gens donc ça va. Comparé à l'année dernière, ouais, il y a une certaine notoriété qui monte. Après ici on est vraiment. On est une petite fac donc tout le monde se connaît. C'est surtout quand on sort un peu de la fac, quand on va au mall ou dans les restaurants ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui nous connaissent un peu plus. Après forcément, avec la victoire contre Duke, la victoire contre Notre-Dame, c'est des grosses victoires pour nous. Donc forcément, les gens ils s'intéressent beaucoup plus à nous et ça attire le regard. Et puis forcément, nous, quand on nous voit dans la rue, c'est compliqué de ne pas nous reconnaître. Mais ça fait toujours plaisir. Moi, en venant ici, on est formé à l'européenne, on n'a pas la même mentalité. Mais ici, en France, c'est vu comme de l'arrogance. Ici, c'est juste de la confiance, en fait. C'est une surconfiance en soi qu'il faut avoir. Et si t'as pas ça, c'est compliqué au niveau parce que les gars, c'est des tueurs. Ici, c'est des tueurs. Et pour réussir, il faut vraiment avoir cette mentalité de tueur. Depuis petit, je rêve de NBA. Je suis passé par le pôle, j'ai fait l'INSEP. Maintenant, le pôle et l'INSEP, ça m'a développé en tant qu'adolescent, jeune joueur. Je suis venu aux États-Unis pour me trouver à moi-même, me développer moi-même, utiliser cette mentalité américaine, cette mentalité de tueur, cette Mamba mentality. Et je pense que je suis arrivé à une certaine maturité. Je me rapproche du but en fait. Je sens que je suis beaucoup plus prêt, je sens que mentalement il y a une différence, il n'y a pas de doute. Là, ça fait quand même 3 ans que j'enchaîne des saisons où je joue un peu plus, de plus en plus chaque année. Mon rôle augmente, j'ai plus de responsabilités, je suis capitaine cette année. En réfléchissant à tout ça, je vois mon objectif, je vois le chemin qui me reste à faire, je vois où j'en suis maintenant, je vois que je suis capable, je vois que j'ai les moyens, je crois en moi, j'ai pas de doute en mes capacités. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher et prouver que j'ai les moyens d'atteindre mon rêve. On souhaite tout ça, Olivier, du fond du cœur. Merci.